L'année dernière, pendant la Révolution, il y avait mon frère qui sortait tout le temps avec les manifestants. Et je pense le 11-12 janvier, j'ai eu un appel et il n'est pas rentré jusqu'à, je sais pas, minuit. Et j'ai eu un appel d'un ami. Il m'a dit que voilà, ton frère, il a été arrêté. Et on a passé presque 4 jours à 5 jours où on n'a pas eu de nouvelles. Jusqu'à Ben Ali, il est parti. Et après, lui, il est rentré à la maison. Il était tout rouge, du sang partout. Il a passé presque un mois. Lui, il est aussi danseur. Il a passé un mois et à ne pas danser, presque toujours dans son lit. Donc, l'idée, c'est de structurer ce domaine urbain ou bien hip-hop, comme on peut l'appeler, et de rendre les déplacements et de ces artistes autour du monde plus ou moins faciles. Donc, c'est promouvoir la culture, cette culture en Tunisie et à l'échelle internationale en même temps. Et voilà, les formations et tout.